is scheduled for one fall. Making his way toward the ring, weighing in at 248 pounds and hailing from Washington, D.C., here is Irwin R. Scheister, also known as IRS. I'd like to congratulate the finance minister, Michael Wilson, on instating the GST tax. Et bien voilà qu'il félicite le ministre des Finances canadien pour avoir institué une nouvelle taxe qui est une taxe qui ressemble à la TVA en France. Et il demande aux gens de bien vouloir continuer à payer leurs impôts comme de bons contribuables, s'il vous plaît. Il a raison de les rappeler à l'ordre un peu. Les Canadiens, on ne sait jamais avec eux. Tiens, justement, en voilà un beau spécimen de Canadien. Bret Hart, le cerveau gelé de Calgary. Alors écoute, tout à l'heure tu me disais que Jack Tunney allait autoriser un combat, un match entre Bret Hart et son beau-frère, le British Bulldog, pour la ceinture intercontinentale. Il est obligé d'accepter. Qui, Jack Tunney? Il est obligé. Il n'y a rien qui oblige Jack Tunney à autoriser quelques matchs que ce soit. Mais il a reçu tellement de lettres pour que ce match se fasse là qu'il est obligé d'accepter. Eh bien moi, si ce match devait se faire, il faudrait bien qu'il se fasse au stade de Wembley, à Londres, à l'occasion de SummerSlam. Ben, je ne vois pas d'autre endroit pour le British Bulldog, qui est quand même d'origine britannique. C'est d'ailleurs le seul britannique de la WWF. Oui, alors là, moi, si jamais il se faisait là-bas, j'aurais peur que cette ceinture, il la perde. Car... je pensais que c'était ton copain, le British. Non, non, mais le British, c'est mon copain, mais le British, il va avoir le support de tous les Anglais. Et alors, tandis que le Canadien, il n'aura pas de support. Quel est ton problème? Quand tu as le support du public, oui, tu réagis beaucoup plus. Ben, c'est bien, c'est ton copain, tu devrais lui souhaiter, oui, le succès. Je lui souhaite le succès. Quelle mais pour peur, moi, là, je suis partagé en ce moment parce que je les aime bien tous les pauvre deux. Pauvre toi, t'es déchiré. Hein. Oui, je suis déchiré. Ouais, c'est touchant. Oui, c'est touchant. Dis donc, attends, dis donc. Tu vas me dire, tu vas parler à ton inspecteur des impôts qu'il ait un petit peu quand même le sourire quand il arrive dans le ring. Il n'a aucune raison d'avoir le sourire. On dirait qu'il est constipé. Il a laissé un message aux Canadiens, là. Ah ouais, parle-moi pas de ça, hein. Oui, justement. Hein. D'abord, il n'a pas intervenu là-dedans, mais moi, je n'ai pas eu mes impôts. Bon. Puis alors, avec cette nouvelle... La nouvelle taxe, cette nouvelle taxe, là. Oui, alors. Voilà, là, moi, ça me... La TVA, ça existe depuis... Oui, mais ça n'existait pas ici. De nombreuses décennies, en fait. Et on a du mal, on n'arrête pas de payer des taxes. Il en fallait bien une au Canada, une TVA. Hein? Alors dis donc, j'aimerais bien regarder moi ce que tu fais toi avec tes taxes quoi. Mes taxes, je paye mes taxes. Ouais, tu les payes, mais alors dis donc avec... Oui, avec l'aide de l'inspecteur. Alors dis donc, moi, ça doit être bien beau, mes formules. Ouais, ça doit être beau. J'ai pas besoin de m'en occuper, c'est un bon conseiller. Tiens, regarde, c'est un super bon technicien de catch aussi. Hein. Ouais, avec la prise des cheveux, on s'est débarrassé de son adversaire. Oh mais tout à l'autre fois, tu m'as dit que c'était homologué, ça, la prise des cheveux. Ça te dérangeait pas l'autre fois. Mais si, ça me dérange. Quand ça. L'autre, il a attrapé les cheveux de Monsieur Parfait, là, ça te dérangeait pas, là. Ça allait bien ce côté-là. Écoute. Là. Oh oui. Moi qui ai été un lutteur scientifique, j'ai jamais attrapé les cheveux de mes adversaires. Non? Tu vas me dire, ils en avaient pas. Bah quand mais même. Dis donc, ouais. Donc, tout à l'heure tu me sortais, qu'est-ce que tu m'as dit là, une histoire de poule là, sur le crâne du Warlord là. Ah quand bah t'as regardé oui, Warlord, tu m'as parlé de poule. Ah bah oui, je t'ai dit, comment tu t'appellerais le poule là, sur la tête du Warlord là. Oui, j'ai pas sur compris. Sur le crâne. Le bah oui, alors là, comment tu l'appellerais? Un sans-abri. Un sans-abri. Ah, tu la connaissais pas celle-là, hein? Ah ben c'est bon, c'est bon, faut avouer que c'est bon. Un sans-abri. Ah bah alors c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Bourville qui racontait ça dans le temps. Ah oui, Bourville? Oui, notre ami Bourville. Ah ouais. Tiens, regarde, il ne prend pas les cheveux là. Oui. Hein? Et là comment, c'est une projection. Oh, tu vois jamais rien. Carpentier, là. Blocage et le tour de hanche avec projection portée par le champion intercontinental. J'ai bien dit, le champion intercontinental. Pas pour longtemps. Hein. Même si la ceinture dépend en jeu aujourd'hui. Pas pour longtemps, Carpentier. Si ce match a lieu entre les deux beaux-frères, là, tu peux dire adieu à la ceinture de Bret Hart. Hein. Mais alors dis donc, toi, pour qui tu vas prendre? T'aimes pas le British? Et puis alors t'aimes pas Bret Hart? Mais je regarderai pas le match, moi, de toute façon, j'en ai rien à cirer ouais, de leur match. On va certainement être là, il va falloir le décrire ce match. Ah oui, mais moi alors, je... tu vas t'en aller. Non, je te laisserai parler. Non, tu vas aller voir. C'est tes deux copains qui vont être sur le ring. On va voir ton cœur déchiré. Non, tu vas nous faire du mélodrame, là. C'est ça, hein? je sais qui tu vas aller voir. Tu vas aller voir ton pote, celui qui va passer après, là, Papa Chico. Voilà, absolument, hein? Absolument. Tu as tout trouvé, tu vois. Au moins, t'es un gars très perspicace, Carpentier. Tiens, regarde, t'as vu ton Bret Hart, là? Coup de genou. Est-ce qu'il a l'allure d'un champion intercontinental? Pas du tout, hein.
Il a l'air d'un vaincu là pour l'instant. Tu vas voir si ça attends, se passe attends, quand il va Wembley, se réveiller. Hein. Attends quand il va se réveiller. Tiens, elle esquive. Et c'est à plonger, c'est à tomber. Et c'est terminé, non. Coup de poing. Belle réaction de la part de l'inspecteur des impôts. Avec des belles droites, belle on réaction. Lui donne une belle correction. Qu'est-ce qu'il a appelé une belle réaction? Il est acculé quand dans le coin dégagé, du ring. Non, mais quand il s'est dégagé, ah, oui, quand oui, il oui, s'est oui. dégagé. C'est vrai. Oh là, tiens, oh, là, là, oh là. Belle réaction de Bret Hart. Oh, oh là, 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 là. Attends, je vais le décrire à ma façon. Vas-y, 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 vas-y. T'as vu la réaction de Bret Hart? Superbe. Des coups qui pleuvent. Bret Hart qui résiste farouchement et fièrement au coup de l'inspecteur des impôts. Quand tu dis farouchement, allez donc. Il est dans les vapes. Il est complètement dans les vapes. Alors mais le seul maître. Faire des descriptions. Alors, écoute, le seul maître qui est dans le ring oui. en ce moment, c'est l'inspecteur des impôts. Tu devrais me laisser décrire l'action, hein. Mais l'autre non, était mais... dans les vapes. Il n'y avait aucune réaction. Et alors là, le vaincu, l'inspecteur des impôts qui se demande bien quoi faire maintenant. Comment est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir de ce mauvais pas? T'as dit alors le... que Bret Hart insiste à rester à l'extérieur du ring. Oui, mais là, t'as fait une erreur. T'as dit le vaincu en parlant de l'inspecteur des impôts. Et alors, Bret Hart qui réagit. Regardez cette réaction fulgurante de Bret Hart qui reprend hypocritement ses esprits, n'est-ce pas? Alors que l'inspecteur est toujours désemparé. Arrête, ne sait pas s'il doit remonter sur le ring ou redescendre. Vraiment un dilemme dans l'esprit de l'inspecteur, alors que Bret Hart s'apprête à faire une remontée fulgurante. Oh non, c'est le contraire, c'est le contraire. Oh, fallait pas me laisser décrire, Carpentier. Non. Non, 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 non. Allez, je te laisse la parole. Alors tu vois là, c'est la prise du maquis, c'est une prise qui ne pardonne pas, mais on se maintient après les corps pour porter plus de pression sur les épaules de Bret Hart. L'arbitre n'a rien vu, naturellement. Et heureusement aussi pour l'inspecteur des impôts qui hypocritement oui. revient t'as chercher vu, hein, l'accord. Très astucieusement, Bret Hart. Hypocritement. Astucieusement, ai-je dit. Oui, astucieusement quand il doit faire ton rapport, ça d'accord. Oui, c'est ça. Tes rapports d'impôts. Tiens, regarde. Et voilà, maintenant. Tour de hanche, bon dégagement. Belle esquive de la part de l'inspecteur des impôts. T'as vu un peu Bret Hart, hein. Oh, oui. Oh, le coude, hein. Crac. Il a failli démolir le ring. Bah, puissant, hein. Très puissant, très. Alors, projection. Tiens, nette domination de Bret Hart qui réfléchit maintenant sur le dos, sur le tapis. Attends, il va se réveiller. Regarde, il était en train de réfléchir, là. T'as vu? Non, mais regarde, il a l'air inspiré, hein, t'as remarqué? Oh, le pauvre. Il est en train de reprendre son second souffle. Ah oui, son second souffle. Alors, projection pour bien lui prendre. Oh là, regarde, t'as vu la belle esquive? Et c'est l'autre qui s'est contré. C'est pas agir intelligemment, ça. Ah oui. Hein? Chapeau, l'inspecteur des impôts. Hein. Ouais, ouais. Remarquez un peu. Hein. Ah, oui. Il a continué sur son action, même s'il a vu. il a vu la technique, ouais, il l'a fait exprès. La tactique de Bret Hart. Il a fait exprès de tromper l'ennemi. Et maintenant, regarde. Le balai casse les ailes. Encore une fois de plus, il préfère aller au tapis plutôt que de donner la. L'honneur à Bret Hart. Et voilà, une belle bougie, comme dirait Carpentier. Non, mais il l'a pas maintenu en bougie. Là. Dans le chandelier, ça, la bougie. Non, non, ça t'est souple. Et voilà, dégagement. Dégagement. Mais qui le couvre carrément, là, c'était même pas couvert son adversaire. Je regarde, regarde bien, là. La brise-rein. Brise-rein. Alors, tu vois, il a pas tout le poids de son corps sur son adversaire. Non, non, l'inspecteur fait ses comptes. Oui, ça se voit. Il va remonter sur le... Sur le podium. Sur le podium. Attends, vu la souplesse quand même. Ah hein, oui. À vous. Très belle. Hein, fauchage de la jambe et écrasement de la nuque. Dis donc, ton Canadien, il s'énerve aujourd'hui. Mais regarde bien directement le coup de coude qui arrive sur le haut de la poitrine. C'est à tomber. Oh, non, dégagement de l'inspecteur. Dégagement. On n'a pas dit son dernier mot, non. Mais les inspecteurs, ça t'attire toujours au tournant, un inspecteur. C'est vrai, c'est hein, vrai. Regarde-le. À la projection. Hey, t'as vu hein. Oh, tiens, oh, là, le garde-manche, la capture. Il est passé quand même à l'arrière. L'autre, oh, là. Oh, dis donc, encore. Là, tu vois, il est parti réfléchir à l'extérieur. Tu vois, il rajuste ses genoux hier, tu vois. Pendant que l'inspecteur, très intelligemment, attend que les 20 secondes soient comptées par l'arbitre. Alors là, c'était le coup, de la boîte c'était le coup de la boîte aux lettres. T'as remarqué, c'est un bidouilleur, le Bret. T'as vu, il remettait tranquillement ses genouillères. Il étudiait ses genouillères. Ça veut dire quoi, bidouilleur? Ça veut dire bidouiller. Et bidouiller, ça veut dire quoi, là? Je te suis pas, là. Chipoter. Et chipoter, ça veut dire quoi, là? Là, je parle un vrai français. Oh, tiens, regarde. T'as vu, l'inspecteur, il lui a
sonnez les cloches. Voilà. T'as raison, dis donc, alors là. Là, c'est vraiment sonné, là. Oui. Tiens, et voilà le petit paquet, belle réaction. C'est un tombé à deux. Oh là là. Alors l'arbitre, là, il y avait trois, là, quand même. Superbe dégagement de l'inspecteur, hein, qui ne s'en est pas laissé compter. Hein. Il faut le faire pour un inspecteur. Hein. T'as vu, il s'en laisse pas compter, l'inspecteur. Du tout, du tout. Alors l'autre est aveuglé, hein, comme de juste. Bah, les deux doigts dans les yeux, t'as vu. Ça aveugle, ça. Hein. Alors, projection. Oh non. Regarde. Ça, c'est beau, ça. Ah, ça, c'est beau. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il passe entre les jambes et l'autre se retient après les gants. Allez, l'arbitre. Bravo, l'arbitre. Allez. Un, deux, et trois. Oh, c'est injuste, ça. C'est injuste. Je ne suis pas d'accord du tout avec l'intervention de l'arbitre. L'autre, il va toujours chercher les cordes. Bravo, l'arbitre. Oui, mais écoute, t'es un spécialiste des ficelles, lui, hein. Défoule-toi, là, maintenant. Défoule-toi. Oui, je vais me défouler. L'arbitre, je vais le dénoncer à Jack Tunney. Et Jack Tunney ne devrait pas autoriser un match de championnat avec ce perdant, la Bret Hart. Ça lui prend un arbitre pour gagner. Alors, avec la complicité... Alors, c'est sûr, s'il y a un arbitre britannique au stade de Wembley, alors le British, il va gagner, c'est évident. Non, mais alors là, qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Bravo, l'inspecteur!